Oh,
besoin de toi, besoin que tu nous portes cette nuit, besoin que tu prennes le contrôle, la direction, le commandement de toutes choses, besoin que tu atterrisses sur toute chair connectée à ce moment, besoin que tu viennes, besoin que tu interviennes. J'ai besoin de toi. Sans toi, sans toi, nous ne pouvons pas prier. J'ai tant besoin de toi. De toi. J'ai besoin de toi. Zoom.
Vous êtes la bienvenue. Tout ce que vous avez entendu jusque-là, ce n'était que l'entrée en matière. Nous étions juste en train de nous échauffer. Bienvenue à toutes et à tous. Il est exactement 23h32 minutes, heure locale, heure de Lomé. Que nous puissions nous retrouver à cette heure-ci ne relève rien du hasard, mais doit tout à la riche miséricorde de notre Père qui nous a été manifestée, vu le grand amour dont il nous a aimés. Car c'est lui qui est notre Père, qui nous a conduits durant ces 31 jours du mois d'octobre en toute sûreté. C'est lui qui nous a mis en sûreté. Et c'est lui qui nous a conduits tel un bon berger conduit le troupeau de son pâturage en toute sûreté vers de verts pâturages. Et à cette heure, alors que nous allons passer les dernières minutes de ce mois d'octobre dans sa présence, alors que nous allons égrener les dernières minutes de ce mois d'octobre dans sa présence et entrer de plein pied dans le mois de novembre 2021 dans la présence de notre Père qui est dans les cieux, nous voulons simplement élever la voix. Mais avant, fermer les yeux et contempler celui qui est élevé, celui qui est assis sur son trône élevé, celui de la présence de laquelle viennent les quatre êtres vivants et les 24 vieillards jetant leur couronne et se prosternant front contre terre et proclamant sa sainteté. Oh Père,
victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen, 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 amen. Oh, à l'agneau de Dieu, canerebos, soit la gloire. De Dieu, la domination. À l'agneau de Dieu, la suprématie. À l'agneau de Dieu, nos vies. Chaque jour. À l'agneau de Dieu, sacrifié et ressuscité. À l'agneau de Dieu, immolé au travers du sacrifice duquel nous avons reçu la vie, soit le règne. Seul et unique avocat auprès du Père. À toi notre intercesseur. À toi le consommateur de notre foi.
à toi qui es assis en majesté sur ton trône, à la droite de Dieu le Père. Sois louant, sois honneur, Omar, le règne, la victoire et la gloire. Voilà ce que nos vies te disent. Voilà ce que nos vies proclament à cette heure. Car nous tenons dans ta présence en ce 31 octobre de l'an 2021, ne doit rien au hasard. Si nous sommes là, dans ta présence, te célébrant, te louant et t'adorant, c'est la preuve palpable, tangible et irréfutable de ce que les desseins de l'ennemi ont échoué lamentablement dans nos vies. C'est la preuve irréfutable de ce que tous les projets formés contre nous n'ont pas prospéré. C'est la preuve tangible de ce que, jour après jour, tu as veillé sur nous. Tu nous as gardés, tu nous as préservés. Tu n'as cessé d'élever la voix dans la présence du Père en notre faveur. Car c'est toi notre intercesseur devant le Père. Tu n'as cessé d'intercéder pour mon frère, pour ma soeur, pour moi, pour nos demeures. Tu n'as cessé d'intercéder pour ton Église. C'est ici l'heure où la voix des quatre églises et impensantes chrétiens dans ce pays, le Togo, Unti Gomé, Aguelo Gopé, Kara et Atito Gomé, élève la voix pour chanter en ton honneur, pour célébrer ton nom en reconnaissance à tous tes bienfaits. Car nous reconnaissons que toi, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père qui est dans les cieux, c'est toi. À toi que nous devons la louange, l'honneur et la gloire. Car c'est toi qui as veillé sur nous. Selon que tu as dit, si tu ne veilles sur la maison, c'est en vain que ceux qui montent la garde et veillent sont en train de veiller. Alors, cette nuit, nous venons tous ensemble comme une seule et unique famille dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance pour tout ce que tu as fait. Nous venons dans ta présence. Nous venons dans ta présence pour chanter, chanter tes louanges et notre reconnaissance. De ce que tu as accompli. Disons-lui, nous venons dans ta présence pour chanter, chanter tes louanges. Oui, notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Nous disons, Papa, nous venons dans ta présence pour chanter, chanter tes louanges. Et notre reconnaissance pour ce que chanter tes louanges.
C'est toi qui nous as secourus. Nous venons dans ta présence en chantant, en chantant tes louanges et notre reconnaissance, et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Ce que tu as accompli. Nous disons papa. Nous venons dans ta présence, oh oui, en chantant tes louanges et, non, et notre reconnaissance de ce que tu as veillé. Notre bienfaiteur, notre reconnaissance, notre véritable
pour ce croire. Que tu as pour oh, papa, nous venons. Et nous venons dans ta présence. En chantant tes louanges. Et non, notre reconnaissance de ce que tu as pour. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire non? Nous venons dans ta présence. En chantant tes louanges. Et notre reconnaissance de ce que tu as pour. De soins, pourvu en termes de sollicitude, pourvu en termes de bonne santé, de force, de ferveur, d'énergie, de vitalité, de protection, de sécurité, de prospérité, d'élargissement, de retournement de situation, de témoignage. Tu as pourvu. Tu as pourvu à tous égards. Tu as pourvu. Tu as pourvu. Tu as pourvu. Oh oui, tu as pourvu, papa. Tu as pourvu. Tu as pourvu. De ce que tu as pourvu. Tu as pourvu à la tu paix. As pourvu. À la paix dans nos cœurs. Tu as pourvu. À la paix dans nos vies. Tu as pourvu. À la paix autour de nous. De ce que tu as pourvu. Nous disons tu as pourvu. Tu as pourvu. C'est toi qui as pourvu. Tu as pourvu. À nos besoins. Tu as pourvu. À nos besoins. De ce que tu as pourvu. C'est pourquoi nous disons tu as pourvu. Toi seul as pourvu. Tu as pourvu. Toi seul as pourvu. Tu as pourvu. Oui, papa. De ce que tu as pourvu. Tu as pourvu à notre protection, tu as pourvu, à notre sécurité, tu as pourvu, aucun danger ni aucun malheur, tu as pourvu, ne nous a atteint, de ce que tu as pourvu, tu nous as garanti de la détresse, tu as pourvu, tu as garanti, tu as pourvu, tu as garanti, tu as garanti, oh oui, de la détresse, de la détresse, papa, tu as garanti. Tu as garanti. Tu as garanti. Papa, tu as garanti. Tu as garanti. Oui, de ce que tu as garanti. De la maîtresse. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire? Tu as garanti. 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 Oui, de la terre. De la terre. Tu as garanti. Tu as garanti. Oh, tu as garanti. Tu as garanti. C'est parce que tu nous as garanti, toi qui es notre assis, de la détresse. Tu as garanti, tu as garanti. Oui, tu as garanti, tu as garanti. C'est toi qui as garanti, tu as garanti. Du malheur, de la détresse. Oh, tu as garanti, tu as garanti. Tu as garanti, tu as garanti. Papa, tu as garanti, tu as garanti. Tu as garanti. Tu as garanti. Oh papa. Tu as
garantie. Tu as garanti. 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 De tous les dangers. Tous les dangers. Tu as préservé. 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 Oh, de plein de notre vie. Tu nous as construit. Oh.
capterai. Toutes les forteresses, tu as démasqué. Tu as démasqué. Tu as mis à nu. Tu as démasqué. Tu as ôté le voile. Tu as démasqué. Oh, c'est toi qui l'as fait. Toutes les forteresses, tu as démasqué. Tu as démasqué. Tu as démasqué. Tu as démasqué. Ce qui était tapis dans l'eau. Mais tu as démasqué. Passe dans nos corps et qui nous gangrenait. Tu as démasqué toutes les forteresses tu m'as soutenu moi et ma maison tu m'as soutenu c'est toi qui nous as soutenu. Tu m'as soutenu. C'est toi qui nous as soutenu. Tu m'as soutenu. Ah, moi et ma maison. Tu nous as soutenu. 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 Ah, il s'est fait outil comme mère. Tu nous as soutenu. 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 Seigneur pour ses offres
et célébrer le Seigneur pour ses bienfaits. Peux-tu encore repasser en revue le mois d'octobre? Tu peux ouvrir ton cahier de notes, le cahier dans lequel tu notes les bienfaits de Dieu et lui dire merci pour avoir pourvu, pour avoir soutenu, pour avoir gardé, pour avoir veillé, pour avoir construit, pour avoir fait progresser ta vie, pour tous les témoignages qu'il t'a donnés. Je lui suis reconnaissant pour tous les mariages que nous avons célébrés au cours du mois d'octobre. Je lui suis reconnaissant pour les témoignages qu'il a donnés à la famille ICC. Je lui suis reconnaissant, lui qui nous a gardés dans nos départs et nos arrivées. Lui qui nous a préservés des malheurs, des dangers, d'être enflammés de l'ennemi. Je lui suis reconnaissant, lui qui a fait monter le niveau. Je lui suis reconnaissant pour sa parole qu'il a envoyée et qui nous a fait échapper à la fosse. Je lui suis reconnaissant pour la parole qu'il a envoyée afin de mettre à nu, de démasquer les forteresses qui nous gardent prisonniers, démasquer ces voies intérieures à qui nous empêchaient d'obéir à Dieu. Oh, je lui suis reconnaissant pour la manière dont il a envoyé sa parole, pour la manière dont il nous a relevés, nous qui avions la tête baissée. Oh, nous sommes reconnaissants. 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 Je suis reconnaissant pour tous tes bienfaits. Reconnaissant pour tes bienfaits. Je suis reconnaissant pour tes œuvres au milieu de nous. Je suis reconnaissant pour ton Esprit Saint. Je suis reconnaissant pour le ministère du Saint-Esprit. Pour le sang de Jésus, je suis reconnaissant. Pour les acquis du sang manifesté, je suis reconnaissant. Pour les acquis du sang manifesté, je suis reconnaissant. Pour les acquis du sang manifesté, je suis reconnaissant. Pour ta main étendue sur nous, je suis reconnaissant. Pour ta gloire toute puissante, je suis reconnaissant. Avec mes frères, je suis reconnaissant. Avec mes soeurs, je suis reconnaissant. Avec, je suis reconnaissant. Avec, je suis reconnaissant. Avec l'église, je suis reconnaissant. Avec l'église, je suis reconnaissant. Pour la paix, je suis reconnaissant. Que tu as donné, je suis reconnaissant. Pour la joie, je suis reconnaissant. Que tu as donné, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Pour la joie, je suis reconnaissant. 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 Sans. Sans. Reconnaissant. 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 Merci Seigneur.
élever juste la voix et dire merci papa. Nos cœurs débordent de reconnaissance. Nos cœurs débordent de gratitude. Nous élevons la voix en action de grâce. Père, ce n'est pas un acquis. Mais nous nous reconnaissons que c'est parce que tu as été avec nous. Toi notre Père, toi qui nos sources sont, toi qui as marché avec nous, toi qui nous as tenus par la main, comme tu as tenu Cyrus par la main. Et tu nous as fait faire le mois d'octobre. Et nous voici de plein pied maintenant dans le nouveau mois de novembre. Car ici, en un local, il est minuit passé de 15 minutes. Et nous voulons dire merci, toi qui nous as emmenés dans le mois de novembre, le mois de la fidélité de Dieu, le mois où l'Éternel, notre Père, manifeste sa fidélité. Oh, bienvenue dans le mois de la preuve de la fidélité de Dieu. Nous allons voir ta fidélité. Nous allons célébrer ta fidélité. Nous allons élever ta fidélité. Nous allons. Merci. Oh ta fidélité. 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 Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci. Bienvenue dans le mois baptisé, mois de la preuve de la fidélité de Dieu. Ce mois-ci, le Seigneur te donnera des preuves de sa fidélité. Ah, ta fidélité durera toujours. Sa fidélité durera, durera. Elle s'imprime sur ce mois. Elle est la marque de ce mois. Elle est la marque de novembre. Elle est la marque de novembre. D'ici le mois de novembre. De ta fidélité. Elle nous sera prouvée la fidélité.
Jésus, avant le crépuscule, la fidélité,
De Dieu est la marque de ce mois. Élève la voix avec moi et dis au nom de Jésus, Père, je te rends grâce, toi qui m'as introduit dans ce nouveau mois, ce mois de novembre, moi et ma maison, dans la paix, dans la joie, dans la tranquillité, dans la sérénité, dans la sérénité, dans la bonne santé, dans la bonne santé. Père, ce mois, tu l'as baptisé, tu l'as baptisé par ton Saint-Esprit, par ton Saint-Esprit, au travers de ton Saint-Serviteur, au travers de ton Saint-Serviteur, le pasteur Yvan, moi, de la preuve, de la preuve, de la fidélité, de la fidélité, de Dieu, de Dieu, et moi, je m'identifie à cette parole, à cette parole. Je la reçois, je la garde, je la serre dans mon cœur, et je marche. Tout au long de ce mois, avec cette parole, et je proclame, je confesse, et je décrète, au nom de Jésus, au cours de ce mois, je témoigne de la fidélité de Dieu, sa fidélité avait parlé hier, mais aujourd'hui, elle est renouvelée. Dans une dimension nouvelle que je n'avais point connue jusqu'à ce jour. Au nom de Jésus, ce mois est marqué par le Père de la signature de sa fidélité. Sera accouché, sera enfanté. Ce bébé, ce sont les témoignages que je donnerai Tu m'as dit de compter sur ta fidélité. Et moi, je n'ai point hésité. Alors, je proclamerai tout haut tes bienfaits, les témoignages, les preuves, les attestations de ta fidélité. Je parlerai de ta fidélité. Moi je dirai. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Oh oui, papa. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai de ton nom. Oui, je tu m'avais dit, tu m'avais dit. Tu parlerais de porter toute ta bonté. Mais moi, je n'ai point hésité.
sur ta bonté. Et moi je n'ai pas hésité. Oh, je n'ai pas hésité. Non. Sur ta beauté. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas hésité. Parce que c'est toi qui es le Dieu tout suffisant. Oui. Et toi, tu m'as prouvé ta fidélité. Vraiment, tu m'as étonné. Oh Dieu, vraiment, tu m'as étonné. Je parlerai de ta beauté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Moi je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Tu es Dieu capable. Oh Dieu, oh, vraiment tu m'as étonné. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Et moi je n'ai pas hésité. Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Vraiment papa. Oh Dieu, tu m'as étonné. Vraiment tu m'as étonné. C'est pour toi je parlerai. Je parlerai de ta bonté. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Oui. Je proclamerai la gloire de ton nom. Moi je parlerai, je parlerai de ta bonté. Tu t'es dit que tu peux danser. Je dirai tout haut, de ta maison. Est-ce que tu peux l'esquisser? Je parle de danse. Ce que tu as fait pour moi. Oh, papa. Je proclamerai. Oh. Je parlerai de ta bonté, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Donc combien tu es bon. Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Vraiment Dieu tu es bon. Oh Dieu, vraiment Dieu tu es bon. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Non, jamais. Mais toi, tu m'as prouvé ta fidélité. Oh, papa. Oh, Dieu. Oh. Vraiment, tu es bon. Tu m'avais dit de monter sur ta bonté. Oh, yes. Je n'ai pas hésité. Parce que je connais de quoi tu es capable, papa. Mais toi, tu m'as prouvé ta fidélité. Tu peux retourner une situation en moins de 24 heures. Vraiment, tu es bon. Tu peux changer l'histoire de quelqu'un. Tu m'avais dit de monter sur ta bonté. Tu peux redonner une nouvelle trajectoire. Je n'ai pas hésité. Tu peux faire un recalcul. Étonné de gagner les années perdues. Oh, oh Dieu, oh. Vraiment tu es bon. Je parlerai. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Vivons, vivons, une dernière fois. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Est-ce que de ta maison tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer sa fidélité? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu fidèle? Est-ce
que tu peux célébrer le Dieu qui se distingue par sa fidélité? Est-ce que tu veux accorder la fidélité de ton papa? La fidélité qui se manifeste pour toi, la fidélité qui parle pour toi, la fidélité de ton papa qui agit pour toi, la fidélité qui est sur tes lèvres, la fidélité que tu proclameras tout au long de ce mois, parce qu'il a incrusté dans le mois de novembre sa fidélité. Il a incrusté dans le mois de novembre sa fidélité. Il a marqué le mois de novembre de sa fidélité. Il a mis comme logo sur le mois de novembre fidélité. Il a mis sur le mois de novembre comme logo, comme marque fidélité, 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 fidélité. Comme toi.
se comparer à toi. Grande est ta fidélité. Nul n'est comme toi. Nul est comme toi. Sera ta fidélité en ce mois. En ce mois de preuve de la fidélité de Dieu, nous proclamons au nom de Jésus que grande sera la fidélité de Dieu. Dis avec moi au nom de Jésus. La fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Ira chaque jour. Ira chaque jour. De ce mois de novembre. De ce mois de novembre. Grandissante. Grandissante. Je proclame que la fidélité de Dieu se manifeste dans tous les aspects de ma vie au nom de Jésus. En ce mois, ce que je devrais recevoir et que je n'avais pas encore reçu, quelle que soit la raison, la fidélité de Dieu me l'amène, me la donne. Au nom de Jésus, je déclare conformément à la preuve de sa fidélité en ce mois de novembre que tout ce que le Père a arrêté dans le conseil de sa souveraineté de m'accorder durant les 10 derniers mois et que je n'ai pas reçu. En ce mois de novembre, je les reçois tous au nom de Jésus. Je proclame que ce mois est la manifestation de la fidélité de Dieu à tous égards, à tous égards, à tous égards, à tous égards, au nom de Jésus. Mes attentes seront pourvues à cause de sa fidélité. Non pas à cause de moi, mais à cause de son grand amour dont il m'a aimé et qui se conjugue en ce mois de novembre à sa fidélité et à cause du sacrifice de son saint serviteur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Rédempteur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Élève la voix et prie un moment en langue avec moi. Recotos cobra de levantos quebra, os matos cobra da vos cibra.
Il te donnera de rire et tu riras et tu riras contre toute attente, contre toute attente, tu verras sa fidélité enfanter ce que tu n'imaginais plus, ce que tu n'imaginais plus, ce à quoi tu ne t'attendais plus. Il n'a pas renoncé à ce projet. Il n'a pas renoncé à ce qu'il t'a dit. Non, il n'a pas renoncé. Il n'a pas renoncé. Tu le verras. Tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Tu le verras. À cause de sa fidélité. À cause de sa fidélité. À cause de sa fidélité. Tu le verras s'accomplir. À cause de sa fidélité, il te montrera qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il te montrera que lorsqu'il libère la parole, elle court de rapidité pour accomplir son mandat, selon qu'il est écrit que toute parole qui sort de sa bouche ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. C'est le mois où il te montre, il révèle qu'il est le Dieu qui est fidèle. Hey!
au nom de Jésus. Tu vas dire avec moi, Père, nous te rendons grâce. Car tu nous as prouvé ta fidélité depuis janvier. Tu nous as accompagnés, escortés par tes paroles d'autorité, par le poids de ta gloire, par ta grâce surabondante. Et tu as rendu à nos ennemis selon leurs œuvres. Père, ce que tu as commencé de faire, tu le poursuis et tu l'intensifies en ce mois de novembre. Au nom de ta fidélité, au nom de Jésus. Amen. Père, malgré les voix des réclamations, des limitations, des démons qui nous poussaient à nous égarer, tu as prouvé par ton bras fort et ta main étendue que tu es celui qui nous vend de nos ennemis, des esprits territoriaux, familiaux, de ceux qui appelaient des noms depuis la fosse de la destruction. En ce mois de novembre, tu intensifies ce que tu as commencé de faire depuis janvier, au nom de Jésus. Amen. Père, tu nous as dit qu'en ce mois de novembre, moi baptisé, la preuve de ta fidélité, Père, nous venons conformément à la parole que tu nous as donné pour cette année 2022, pour te dire, Père, donne-nous de nous réjouir de ta protection puissante à cause de ta fidélité. Garde-nous, préserve-nous des dangers, des malheurs, des calamités. Garantis-nous de la détresse, de la terreur, de la flèche qui vole de jour, et de la terreur et de la contagion qui sévit dans les ténèbres. Au nom de Jésus, étends ta main, ta droite toute puissante et triomphante, et garde-nous, garde nos départs et nos arrivées. Libère de ses serviteurs, les ses anges protecteurs, afin qu'ils nous gardent dans toutes nos voies, qu'il assure notre protection, notre sécurité et notre intégrité physique. Que la protection et la sécurité de nos biens au nom de Jésus, à cause de ta fidélité, moi et ma maison, moi et mes frères et mes soeurs, nous nous réjouissons de ta protection puissante au nom de Jésus. Tout au long de ce mois, à cause de ta fidélité et au nom de ta fidélité, ton secours nous remplit d'allégresse. Personne au milieu de nous ne manquera de ton secours au nom de Jésus. Ce mois, au nom de ta fidélité, tu secours celui qui crie à toi dans sa détresse. Tu secours celui qui crie à toi dans une situation donnée. Et cette personne, de ta fidélité au nom de Jésus. Élève la voix. Et s'il y a une situation pour laquelle tu désires voir le secours de Dieu, alors évite-le. Parle-lui de la situation et dis-lui, Père, j'ai besoin de ton secours. Et au nom de sa fidélité et à cause de sa fidélité, il te donnera le secours, il te manifestera son secours, et tu seras rempli d'allégresse à cause de son secours. Élève la voix et prie. Amen.
Ta main puissante apporte le secours dans la situation de mon frère, dans la situation de ma soeur. Tu es notre secours. 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 Reçois le secours divin. Reçois le secours de Dieu. Reçois le secours de Dieu. Que le secours de Dieu te soit manifesté maintenant. 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 Reçois le secours divin. Reçois le secours divin. Reçois le secours de Dieu. Tu es mon secours. Bravo, rebroskata. Au nom de Jésus, dis-moi un bon amen. Amen. Au nom de Jésus, amen. Dis avec moi. Père. Père. Au nom de ta fidélité. Au nom de ta fidélité. Et à cause de ce que tu es fidèle. De ce que tu es fidèle. Tu nous as dit. Tu nous as dit. Que tu vas nous donner, que tu vas nous donner ce que nos cœurs désirent. Ce que nos cœurs Père, Père, nous désirons une chose, chose par-dessus tout, te connaître, te connaître, te connaître, te connaître. Père, donne-nous à cause de ta fidélité, et au nom de ta fidélité, la grâce de te connaître, la grâce de te connaître, au nom de Jésus, la grâce de te connaître, au nom de Jésus. Père, révèle-toi à nous, révèle-toi à nous. La Bible a dit que tu te révélais à Moïse, mais aux enfants d'Israël, tu révélais tes œuvres. Nous ne voulons pas uniquement tes œuvres, mais nous voulons de toi te connaître. Révèle-toi à nous, et à cause de ta fidélité, et au nom de ta fidélité, révèle-toi à moi et à ma maison, à mon frère, à ma soeur et à mon église, au nom de Jésus. Que le Seigneur nous donne la grâce de le connaître, la grâce de le chercher. Que le Seigneur, au nom de sa fidélité, fasse une œuvre dans nos cœurs afin d'enflammer nos cœurs du désir de le chercher, de le connaître. Au nom de Jésus, que nous soyons tous enflammés du désir de le connaître, du désir de le chercher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que ton cœur désire? Étale-le devant Dieu. Étale-le, étale-le. Étale-le devant Dieu. Qu'est-ce que ton cœur désire? Étale-le devant Dieu. Étale-le devant Dieu. Il te donne ce que ton cœur désire. Reçois ce que ton cœur désire. Il te le donne. Basharabosa. Balebroska tarabashare rebosa. Il te le donne. Merci Seigneur. Il te le donne. Il te l'accorde. Ce que ton cœur désire. Le Seigneur te l'accorde. Reçois. Reçois ce que ton cœur désire. La Bible dit, il ne te refuse pas ce que ton cœur désire. Et à cause de sa fidélité, et au nom de sa fidélité, maintenant, il te donne ce que ton cœur désire. Il te donne ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire, il le connaît.
Et alors que tu le lui mentionnes, et alors que tu le lui dis, il te l'accorde. Et tu témoigneras en ce mois de la fidélité, de sa grande fidélité. Tu diras, la fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Il est comme toi, oh papa, oh papa, grande est ta fidélité. Ta fidélité. Ta fidélité est incomparable. Il est comme toi, oh, oh papa. Grande, grande est ta fidélité. Ta fidélité. Ta fidélité. Amen. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, en ce mois de novembre, à cause de ta fidélité, Père, l'ennemi ne me surprendra pas, Père, et il ne m'opprimera pas. Ceux qui voulaient me piller seront pillés. Ceux qui appelaient ma destruction, ma confusion, ma ruine, ma déchéance, ma disgrâce seront détruits, confus, ruinés, déchus, disgraciés. Au nom de Jésus, c'est ce que mes lèvres te demandent. Et tu as dit, en cette année, que tu ne me refuseras rien que mes lèvres demandent. Maintenant, au nom de ta fidélité, je te demande, Père, que ta grâce me localise, que ta grâce me fasse changer de dimension, de niveau, à tous égards, au nom de Jésus. Tu as dit, sur moi, ta gloire apparaît. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je demande, Père, que ta gloire, fasse éclater l'éclat de ta magnificence sur moi, et que tu me rendes à jamais un objet de bénédiction, et que tu me combles chaque jour de ce mois de joie, de paix, de tranquillité, de quiétude, de sérénité devant ta face, au nom de Jésus. Ta fidélité, me soutient. C'est pourquoi je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Aussi vrai que je me confie en toi, je ne chancelle pas. Car ta droite, toute puissante et triomphante, me soutient, ce mois, ce mois, ce mois, ce mois, ce mois, ce mois, Père,
à cause de ta fidélité. Et au nom de ta fidélité, tu feras par la puissance, qui agit en moi infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que mon cœur désire et me lève demain au nom de Jésus. Tu feras abondamment, infiniment au-delà de tout ce que mon cœur désire et me lève demain au nom de Jésus. Élève la voix avec moi et prie un moment en langue. Au nom de Jésus, amen. En ce mois de novembre, au nom de ta fidélité et à cause de ce que tu es fidèle, je prophétise au nom de Jésus, que je suis debout, droit dans mes bottes, saint de force, déployé resplendissant comme le soleil merveilleux admirable au nom de Jésus. Amen. Je prophétise sur moi-même et je déclare que je suis debout, droit dans mes bottes, saint de force, déployé resplendissant comme le soleil merveilleux radieux souriant admirable rayonnant éclatant au nom de Jésus. Amen. Paix tous ceux qui ont projeté du mal contre moi et qui ont conçu de mauvais desseins. Tu les connais. Maintenant, à cause de ta fidélité, Père, rends-les impuissants. Celui qui marche contre moi, Père, j'ordonne à la poussière de la terre de se lever contre lui afin de lui résister jusqu'à ce qu'il chancelle et tombe et que sa ruine soit totale et évidente aux yeux de tous au nom de Jésus. Amen. En ce mois de ta fidélité, tu te lèves avec ta force, ta vigueur, ta gloire, et tu déploies ta veine et tu me relèves, car c'est toi qui relève ma tête. C'est toi qui relèves. C'est toi qui relèves. Dans ta fidélité, tu relèves. C'est toi qui relèves ma tête. Éternel. Tu es ma gloire, tu me relèves. Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Éternel, tu es mon bouclier. Oh, tu es ma gloire, et tu me relèves. C'est toi qui relève.
fidélité. C'est toi qui relèves. C'est toi qui relèves. C'est toi qui relèves. Ma tête. Ma tête. En ce mois de ta fidélité. C'est toi qui relèves. Ce papa, c'est toi. C'est toi qui relèves. C'est toi, c'est toi. C'est toi qui relèves. Ma tête. Lève les mains. En vertu de l'autorité qui m'a été conférée par le Père, qui m'a établi pour servir à l'accomplissement de sa volonté dans ta vie, je me tiens sur le mandat de la mission et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prophétise sur ta vie qu'en ce mois de novembre, là où tu avais la tête baissée, le Seigneur relève ta tête. Je proclame et prophétise sur toi que là où tu étais dans une attente quelconque, le Seigneur répond à cette attente au nom de Jésus. Là où tu attendais quelque chose, voici là du Seigneur te visite et répond au nom de Jésus. Lorsque tu sortiras le matin, tu ne rentreras pas produit au nom de Jésus, mais tu rentreras les mains chargées et de chants d'allégresse et de joie à la bouche au nom de Jésus. Le Seigneur te fait trouver faveur et grâce aux yeux de quiconque tu sollicites afin que tu reçoives de ce que tu demandes au nom de Jésus. Aussi vrai qu'il dit, il ne te refusera rien de ce que ton cœur désire et de ce que tes lèvres demandent. Je prophétise sur toi au nom de Jésus que tu reçois les désirs de ton cœur au nom de Jésus. En ce mois, le moindre parmi nous prend du volume. Le moindre parmi nous prend du volume. Le moindre parmi nous prend du volume. Jusque-là, tu as exercé dans une dimension, mais à cause de sa fidélité, il te fait croître en onction. 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 Il te fait croître en puissance. Au nom de Jésus. Donne-lui la gloire. 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 Tu donnes-lui la gloire. Donne-lui la gloire. Donne-lui la gloire. Donne-lui la gloire. Cacharebosa. Au nom de Jésus. En ce mois, à cause de sa fidélité, et au nom de sa fidélité, quiconque est assis sur ton pied, quiconque est assis sur tes bienfaits, quiconque est assis sur ta promotion, quiconque est assis sur ce que le Seigneur t'a donné, au nom de Jésus, oh, je demande au Père d'étendre sa voix toute puissante et triomphante et de l'éjecter au nom de Jésus. Jésus, avant le 30 de ce mois, tu me témoigneras de ce que tu as reçu, ce qui te revient de toi, ce qui te revient de toi, que le Père t'a donné. Au nom de Jésus, tu recevras ce qui te revient de toi, que le Père t'a attribué, que le Père t'a donné. Au nom de Jésus. Écoute-moi.
Le Seigneur me dit, je vous donnerai de l'accélération. Le Seigneur dit qu'il te donne de l'accélération. Ce que les dévoreurs t'ont dévoré, les voleurs t'ont volé, les destructeurs ont détruit, le Seigneur les restaure et te les donne au nom de Jésus. Le Seigneur les restaure et te les donne au nom de Jésus. Et il ne fait pas que te les donner, mais à cause du temps perdu, le Seigneur t'accorde des intérêts composés de tout ce qui t'a été volé, de tout ce qui a été détruit, et il te les donne au nom de Jésus. Écoute-moi, si tu frappes à une porte, s'il y a une demande qui est en attente, aussi vrai que pour cette demande, au commun des hommes, on donne 3 mois. Pour toi, ça n'atteindra pas 1 mois. Au nom de Jésus, reçois, 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 reçois. Je dis reçois, 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 reçois. Je dis reçois, je dis reçois maintenant. Au nom de Jésus, la réponse ne tardera pas. La réponse ne tardera pas. La réponse ne tardera pas. Au nom de Jésus, à cause de sa fidélité. À cause de sa fidélité. Béni soit le Seigneur. Oh, tu vas lever tes mains. Et tu vas le regarder. Et tu vas lui dire, à toi soit la gloire. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire de ce mois de novembre. À toi soit la gloire de tous les témoignages que nous allons apporter devant toi. À toi soit la gloire pour tout ce que tu as déversé et tout ce que tu vas manifester au cours de ce mois de novembre. À toi soit la gloire pour ta fidélité qui parle, qui agit jour après jour dans une dimension encore plus grande, jour après jour au nom de Jésus. Béni sois-tu. Et à toi soit la gloire. Toi qui as commencé ce mois avec nous. C'est toi qui nous conduis tout au long de ce mois en toute sûreté. Et tu l'achèves avec nous. Et tu nous introduis de plein pied en bonne santé, dans la joie, dans la sérénité, dans la paix, dans la tranquillité dans le mois de décembre. Et personne au milieu de nous ne manquera à la paix le 30 novembre au nom de Jésus. Béni sois-tu. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié et célébré. C'est dans le beau, majestueux, distingué, honoré, apprécié nom de notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Amen.
des merveilles de sa fidélité. Amen. Et assurément, vous me donnerez beaucoup de témoignages. Amen. 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 Alors, il n'y aura pas une heure dans sa présence de ce matin. Donc, à 5 heures, tu te lèveras et tu prieras toi-même. Quant à nous, les stars, serviteurs et servantes travaillant activement pour le royaume, nous sommes attendus pour au plus tard 13 heures. Donc, nous sommes tenus de venir avant 13 heures. Parce qu'à 13h00, nous allons commencer pour rester dans le temps. Parce que nous avons plusieurs activités à faire ensemble. D'ici là, que le Seigneur vous garde. Dormez bien et ayez un bon repos. Je vous aime. À plus. Avec ta fidélité, l'ouvrage de ta main. Oh, je dis quand je pense à la façon dont tu conduis ton église, l'ouvrage de tes mains. Je dis quand je pense au sacrifice de Christ à la croix pour mon salut.